vu des airs de plusieurs îles recouvertes de végétation. Un groupe d'orques nage à la surface dans le canal côtier. Depuis des milliers d'années, mon peuple a partagé des histoires au sujet de notre relation avec la Terre, l'eau et tous les êtres vivants, y compris les aigles, les ours, le hareng et le saumon. Un de nos nombreux récits de création liés au saumon raconte comment, dans un premier temps, les lacs ont été creusés. Ensuite, une tranchée pour atteindre l'océan. Enfin, des saumons ont été sculptés à partir d'un aulne mort. Mais au lieu de placer les saumons dans la rivière ou le lac, on les a placés dans l'océan pour qu'ils prennent vie. Ils ont été mis en confiance et on leur a demandé de revenir chaque année pour nourrir notre peuple. Jordan et un homme se tiennent sur un bateau. Ce sont des palourdes américaines, là-dedans. Comparées à celles-là, celles-ci sont probablement... Alors, comment nos ancêtres se sont-ils procurés cette nourriture? Comment avons-nous piégé le saumon si essentiel à notre mode de vie? Elroy White, archéologue. Un piège à poissons est un ensemble de roches qui ont été placées stratégiquement sur un plateau de marée. Et ils ont été construits à environ 2 ou 3 pieds de haut, avec ces pierres se formant à une base, puis diminuant à mesure que l'élévation augmentait. Et quand la marée descendait, ils se retrouvaient en fait coincés à l'intérieur du mur de piège. Il est donc devenu un enclos vivant. Et je crois que vous pourriez piéger au moins 1000 poissons ici. 500 à 1000 à la fois. C'est incroyable. Mais ce n'est pas parce qu'on pouvait en attraper 1000 que nous en prendrions 1000. Un saumon pouvait littéralement se faire prendre ici pendant toute la durée de sa mouture, peut-être un mois. Et pourtant, il n'a pas été sélectionné. Ils n'ont pris que ce dont ils avaient besoin. Et puis, ils laisseraient les saumons s'échapper d'eux-mêmes. Donc, j'appelle ces pièges à poissons à pierre un système de pêche sélectif. Vous voyez, ces pièges étaient à la fois efficaces et sélectifs. Un saumon se tortille dans les eaux de la rivière. Mais lorsque les colons européens sont arrivés, nous avons été contraints d'abandonner ces pièges. Éventuellement, la plupart ont été détruits et de nouvelles technologies ont pris leur place. Le mur rocheux des pièges à poissons s'étend de l'autre côté de la rivière. Au large, un bateau de pêche lance un filet avec des bouées blanches. Mais une chose est restée, l'importance de la pêche pour nourrir nos familles. Pour l'instant, nous venons de faire un ensemble avec ce qu'on appelle des filets maillants. Le fonctionnement d'un filet maillant est le suivant. Vous avez un gros tambour ici, vous déployez le filet, vous effrayez les poissons et ils sont piégés. Ensuite, vous récupérez le filet et vous remontez les saumons. Combien de poissons pouvez-vous espérer attraper dans un tel ensemble? La première série, on a attrapé 28 saumons. Donc, avec un peu de chance, on en prendra 30 dans le prochain ensemble. Tony Campbell, école communautaire de Bella Bella. On pêche comme ça, on pourrait prendre du saumon rouge, des cours. Si on a de la chance, on aura du saumon de printemps ou un saumon arc-en-ciel. On dépend là-dessus chaque année pour notre nourriture. Nous le fumons, nous le grillons, notre nourriture quotidienne. L'adolescent sourit alors qu'il tient un gros saumon. Plus tard, Jordan marche dans un rassemblement de communauté. Des filets de saumon cuisent près d'un feu de camp. Le saumon a toujours fait partie de notre alimentation. Nous le célébrons et nous en sommes reconnaissants. Ceci, c'est la fête du saumon. Les enfants sont ici pour apprendre comment nos ancêtres faisaient du poisson au barbecue de manière traditionnelle. C'est ainsi que cela a été fait, enseigné et transmis de génération en génération. On m'a enseigné quand j'étais jeune, à cet âge. Maintenant, je suis l'enseignant. Troy enseigne. On va mettre un bâton là-dedans. Tiens le bâton ouvert pour que je puisse travailler le poisson là-dedans et travailler tous mes bâtons en dessus et au-dessus du poisson. Je préférerais que le côté de la peau soit plus robuste, le bâton. La meilleure chose, c'est qu'à la fin de tout ceci, ils vont le présenter aux aînés. Les aînés vont recevoir de quoi faire un bon festin de la part des enfants. Et c'est ça qui est important. Ah, c'est parfait. Alors, pourquoi cet événement est-il si important pour la communauté? Le saumon joue un rôle si important dans notre identité en tant que peuple Essoc, dans la relation que nous entretenons avec l'océan, les rivières et les lacs, et entre nous aussi. Et puis la partie linguistique est, je pense, tellement impressionnante parce que la langue est si importante pour moi. Ça a toujours été un de mes objectifs de vie de pouvoir parler couramment ma langue. Et quand on le place dans notre feu, c'est un gloopsmia. Dites avec moi, gloopsmia. Et dans notre langue, il y a un autre mot, guilas.
Les Gwilas sont les lois qui existent entre notre peuple et nos pays d'origine. Ils façonnent toutes nos interactions entre les êtres humains et entre le monde naturel et le monde surnaturel. Ces lois sont fondées sur des principes de respect et de réciprocité. Nous prenons soin de nos ressources afin que nos ressources puissent prendre soin de nous. Le saumon est super important car il revient chaque année pour nous nourrir. Et puis aussi, nous avons la responsabilité en tant qu'êtres humains de prendre soin de l'océan, des lacs et des rivières pour que les saumons aient une raison de revenir. Tout comme le saumon revenait chaque année, comme un cadeau dans nos anciens pièges en pierre. Jordan et Elroy marchent sur la grève. À l'époque où les saumons étaient si abondants, ils s'alignaient littéralement dans toute la baie, d'un rivage à l'autre. Et les anciens m'avaient toujours dit qu'ils pouvaient traverser une baie en courant sur le dos d'un saumon sans se mouiller les pieds. Non, c'est une exagération, bien sûr, mais de nos jours, nous avons de la chance si nous voyons un banc de 500 poissons. Des saumons remontent la rivière agitée. Le saumon est un cadeau pour notre peuple. Et nous devons en prendre soin et nous en occuper. Ils ne le font pas seulement pour leur propre génération, mais aussi pour les générations futures. Une fillette saute d'une balançoire, vole dans les airs avant d'atterrir au sol. Elle sourit fièrement.